Allez, aujourd'hui, je vais vous révéler ma stratégie de swing trading qui est à la fois simple et incroyablement puissante. Dans ce guide 2023, vous découvrirez les secrets d'une approche qui vous permettra de générer des profits réguliers, mais surtout, vous apprendrez comment dénicher les meilleurs trades et les meilleures opportunités pour gagner le plus souvent possible, et c'est ce qu'on veut sur cette chaîne. Donc, préparez-vous à transformer votre trading avec ma stratégie. Voici le plan de cette vidéo. Écoutez bien. Partie 1, comprendre la puissance du swing trading, réaliser un x2 sur son capital. Partie 2, quels sont les indicateurs les plus performants pour du swing trading. Partie 3, on va aller faire une étude de cas réels, et ça je sais que vous aimez bien, une petite démonstration du swing trading en direct. J'encaisse donc 742 € sur le GBPAUD sur 3 jours de trade. En quoi consiste le swing trading? C'est une approche qui consiste tout simplement à rechercher les tendances ou encore les retournements de marché sur une période qui peut durer plusieurs jours à plusieurs semaines. Ça m'est déjà arrivé de garder une position 2 mois au max de vraiment de ce que j'ai pu tenir. Le but, on va essayer de capturer donc des mouvements des prix les plus importants par rapport au, on va dire, au day trading. Le swing nous offre un potentiel de rendement beaucoup plus élevé avec beaucoup plus de points à faire. La clé de cette puissance réside dans l'identification d'un point d'entrée et de sortie le plus opportun, basé sur une analyse approfondie. Le but, viser des points bas, parfois historiques, ou encore des points hauts qui n'ont jamais été atteints. C'est ce qui vous permettra d'avoir de longues, très très longues positions. Attention, cependant, le swing trading n'est pas sans risque. Je le rappelle, on a de l'argent à disposition et on va devoir générer et faire fructifier cet argent en prenant le moins possible de risque. Donc il va falloir avoir une bonne gestion appropriée par rapport à votre capital. Telle, on va dire, la position qu'on appelle sizing est très dangereuse. C'est-à-dire que quand je parle de cette position, on va tout simplement parfois miser un trop gros pourcentage de son capital. C'est-à-dire, un exemple, on va mettre un lot de 10 pour un capital de 1 000 €. Ça, complètement incroyablement fou. En 2, on va vouloir mettre un plus gros risque sur sa position. Donc, ce qu'il va faire, par exemple, on va vouloir mettre 4% de son capital. Et vous le savez, une bonne gestion, c'est entre 0,5 et 1% par trade. Ça, c'est complètement aussi incroyable. Et en 3, on va vouloir placer un stop loss beaucoup trop grand, ce qui va tout simplement réduire votre ratio, le fameux RR, ratio risque-récompense, qui va devenir peut-être voire de 1 ou même encore négatif. Donc ça, tout cela, c'est vraiment crucial de respecter ça pour protéger son capital. Il est également important de rester discipliné et de suivre attentivement sa stratégie de trading pour éviter les décisions impulsives. On a tous vécu ça, on ne respecte plus rien, on prend la confiance, l'ego. En fait, c'est ça qui va trader et plus du tout votre intelligence. Donc, important de passer le message et de le rappeler surtout. En résumé, comprendre la puissance du swing trading signifie reconnaître le potentiel de réaliser un x2 sur votre capital en exploitant des prix à moyen terme. Maintenant, je vais vous montrer les indicateurs qui, pour moi, ont retenu mon attention tout au long de mon apprentissage en trading et qui sont ultra performants et simples d'utilisation. Direction, les graphiques. Allez, voici une liste complète de mes indicateurs préférés pour faire du swing. Vous allez en reconnaître certains, mais il y a une autre manière de les utiliser sur du swing. On va et je vais aller sur les graphiques et je vous montre les performances et je vous explique les indicateurs. Donc on va commencer par les bandes de Bollinger. Vous connaissez tout ça. On va aller tout simplement
sur indicateur. Et on a déjà, vous voyez ici, en favori, bande de Bollinger. On va cliquer dessus et vous allez avoir comme une moyenne mobile au milieu et une bande sur le haut et une bande ici, vous voyez, sur le bas. Ça va vous indiquer les fluctuations de volume par rapport, vous voyez, aux bougies et aux graphiques. Mais c'est vraiment déterminant parce que, comme vous pouvez le voir ici, quand on est sur le haut de cette bande-là, en général, je vais prendre, vous voyez, une vente. Et quand j'aurai sur le bas de la bande, vous voyez, justement ici, on a plutôt un achat. D'accord ? Donc, c'est une façon simple un petit peu de décrire la tendance. Donc là, vous voyez, par exemple ici, on a la bande de Bollinger. On a le support, d'accord, qui va aussi nous donner une raison de plus pour pouvoir prendre un achat justement là. Et aussi, on a le haut de la bande de Bollinger et qui va en plus, avec la résistance, nous donner une confirmation sur notre vente. Donc vous voyez que price action plus bande de Bollinger pour faire du swing, c'est hyper important. Et je vous conseille vraiment d'utiliser les bandes de Bollinger dans un contexte, pourquoi pas, pour des positions longues. Et ça s'utilise aussi pour autre chose. Mais là, réellement, sur des trades de 2, 3, 4, même une semaine, les bandes de Bollinger sont très, très bien. L'indicateur que vous connaissez tous, le RSI, Relative Straight Index en anglais, qui va mesurer un peu la force et le volume d'un actif. Il va nous donner aussi les zones de surachat et de survente. Comme je le rappelle assez souvent, on peut l'utiliser en 4 heures ou en daily. Donc, on va directement dans indicateur sur les graphiques. Vous l'avez juste ici, Relative Straight Index. Vous cliquez dessus et vous avez ça qui s'affiche en bas de votre graphique. Et vous pouvez le voir ici, on a bien donc la zone de surachat. Et un petit peu plus loin, on trouvera la zone de survente. Vous voyez qui est ici, indiquée en rouge. Et parfois, nous avons aussi en vert quand on a une grosse zone de surachat. Là, c'est pas évident. Mais voyez bien que sur un graphique, on a quand même toujours ces accentuations pour nous permettre de comprendre la tendance d'un graphique. Donc, sur du swing trading, vous voyez par exemple ici, on est en zone de survente. Et on a bien, vous voyez, en swing. Donc là, on est sur plusieurs journées. Vous voyez, on part du 4 mai pour arriver au 8 juin. Vous voyez, un mois de trade. Et vous voyez bien qu'on a une belle tendance à la hausse. D'accord? Donc, on a toujours le même système. Support, résistance, trendline. Vous voyez, qui suit vraiment cette tendance pour nous donner justement des points bas de plus en plus haut. Donc, on a la confirmation et j'utilise donc le RSI pour du swing trading et me donner vraiment les niveaux les plus bas ou les niveaux les plus hauts pour une vente. Et c'est un outil ultra performant et que je vous conseille aussi d'utiliser. Comme je le rappelle, ce n'est pas un miracle, c'est, on va dire, une confirmation en plus de votre stratégie de base ou encore du fondamental. Et on va aller voir le dernier de la liste, donc le troisième qui n'est pas forcément un indicateur, ça va être le retracement de Fibonacci. Je vais utiliser pour trouver des supports, des résistances, je vais le garder aussi pour trouver la golden zone, la fameuse zone de retracement. Je peux aussi me servir, vous allez voir, de TP pour placer vraiment toutes ces zones-là. Donc on va le retrouver sur la gauche, vous voyez, retracement de Fibonacci. D'accord. Et là, par exemple, vous voyez pour ici, donc là, si je voulais prendre tout simplement une vente, vous voyez que je passe le point 0 ici en haut de la mèche, le point 1, donc le 100% en bas. Pourquoi? Parce que ici, si vous regardez bien, si on prend une vente, on ira atteindre les 0,50 d'abord pour ensuite atteindre les 0,618. C'est ici la golden zone. Vous voyez qu'ici, regardez, on a bien juste ici un retracement. Donc moi, je vais aller viser sur cette chute un TP qui ira dans cette zone. Si vous regardez ici, vous voyez bien que là aussi, entre là et là, on est à la zone justement des 50, la golden zone. Donc on a un exemple là du passé. Donc vous voyez bien que c'est très très efficace, c'est une technique populaire, le Fibonacci. Merci justement à Fibonacci d'avoir inventé cette magnifique œuvre parce que je m'en sers quasiment tous les jours pour aller chercher des points déterminants. Petit message aujourd'hui, tout simplement pour vous dire, j'accompagne des élèves en trading. Je leur apprends à partir de zéro à construire un véritable capital, avoir une stratégie appropriée à leur quotidien. C'est-à-dire que il y a des personnes qui peuvent travailler à côté, des personnes qui ont des activités, peu importe.
et on arrive à s'adapter avec un plan à suivre. Ça, c'est vraiment important d'avoir toujours un plan de trading. Donc, si tu souhaites bénéficier de cet accompagnement, clique sur le premier lien dans ma bio. Attention, je ne recrute pas n'importe qui. Le but, c'est de faire une sélection d'entrée pour avoir réellement les personnes les plus déterminées et motivées à réussir dans le trading. Donc, si tu te sens concerné, je t'invite à cliquer et à tenter ta chance. Maintenant, place à l'étude réelle sur le graphique. Je vous fais la démonstration du swing trading. J'encaisse donc en 3 jours 742 €. Let's go! Allez, on est sur le graphique, on est sur le GBP AUD en 4 heures et je vous explique comment j'ai pu faire 742 € en 3 jours. On le voit ici, on a tout simplement notre résistance. On a le support que j'utilise en price action. On a la trend line qui, vous voyez, va donner cette tendance baissière. Donc, elle va la suivre tout simplement en ayant plusieurs points de touche. On peut voir ici que sur le GBP AUD, j'ai pu prendre un achat. D'accord? Vous voyez, à la cassure de trend line. Qu'est-ce qui m'a aidé? Forcément, vous voyez ici le support. On a le RSI et en survente. On en a parlé tout à l'heure. Les bandes de Bollinger, vous voyez qui, la bande active du bas, qui simplement me donne aussi, confirmation d'un achat, parce qu'elle continue pas de descendre, elle se stabilise. On a, vous voyez ici, la moyenne mobile qui est venue me conforter par rapport à mon TP. C'est un trade qui a duré, vous voyez, 3 jours. Et j'ai utilisé le Fibo que je vous ai parlé tout à l'heure. Vous voyez, j'ai visé la Golden Zone. Donc, vous voyez, le haut de la Golden Zone. Donc, le 0.618. C'est vraiment la limite, que je me fixe. Mais vous voyez que si je l'avais gardé encore beaucoup plus longtemps, le trade, donc on serait vraiment un trade, je pense, sur une semaine, j'aurais pu faire plus de gains. Mais je le rappelle, le but, c'est pas de la gourmandise, c'est d'utiliser les bons outils, de savoir s'arrêter, de mettre un TP pour éviter de faire n'importe quoi. Et cette stratégie, vous voyez, bande de Bollinger, price action, Fibonacci et le RSI, c'est quelque chose et c'est une méthode qu'il faut répéter au quotidien pour pouvoir avoir des gains qui vont être assurés. On peut aussi remarquer, j'ai pu le faire en des gains en swing trading, j'ai pu faire des 2 000 € des fois de gains en gardant une position, comme j'ai pu le dire, une semaine, 15 jours et je m'ai vu même une fois avoir gardé 2 mois une position. J'avais un tout petit lot dessus qui m'avait pas rapporté non plus une très grosse somme, mais voilà, en ayant respecter mon money management, ça va quand même rapporter énormément de points. Ça qui est bien dans le swing trading. En tout cas, utilisez bien cette méthode. Faites-le pas à pas comme j'ai pu vous le décrire dans cette vidéo. Et je sais que le succès va arriver avec cette méthode. Une vidéo qui te permettra d'encaisser chaque jour et d'avoir une stratégie qui fonctionne. Cette vidéo, elle est là. Tu cliques dessus. C'est ma stratégie qui m'a permis de faire 40 000 € par mois. Donc, tu t'en doutes bien que je donne beaucoup de plus-value à l'intérieur. Donc, régale-toi, clique sur la vidéo et tu m'en diras des nouvelles.